Ce vendredi 9 août, les Wolentimois étaient mobilisés pour la commémoration de la Journée nationale du drapeau. Des moments marqués par la revue des troupes, puis l'allégeance au drapeau, sous le regard de Jules Dzeki, gouverneur de la province qui a ouvert les hostilités. C'est d'abord un devoir de mémoire. Le drapeau reste notre grand symbole. Et à travers ses couleurs et sa forme, nous avons le drapeau en miniature. À partir de son territoire, territoire forestier, territoire maritime, mais également aussi une particularité selon laquelle l'Équateur traverse le pays. Donc nous appartenons aux deux hémisphères. Ce n'est pas donné à tous les pays. Et à l'intérieur de cela, nous avons toutes les ressources nécessaires. Il s'agit des ressources forestières, des ressources halieutiques, etc., etc. Donc je rappelle que c'est un symbole, mais c'est une fierté également. Pour les populations, cette commémoration permet aux Gabonais de se réapproprier les valeurs républicaines et de renforcer l'attachement à la nation par le patriotisme. Cette cérémonie est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs des symboles de la République. C'est le symbole, l'insigne qui permet d'affirmer notre appartenance à la République gabonaise. La Journée nationale du drapeau, en ce qu'elle vise à cultiver, renforcer l'esprit patriotique, nous appelle plus que jamais, en cette période charnière de l'histoire politique de notre pays, à cultiver la concorde et l'unisson. Pour rappel, la date du 9 août marque la commémoration de l'adoption de la loi numéro 58/60 portant modification de l'emblème et vise à honorer les couleurs de notre drapeau, le vert, le jaune et le bleu.